bonjour, aujourd'hui Passionnément Pêche est avec vous pour vous présenter une petite vidéo sur la pose de casier à frayère pour les black bass dans le canal du Midi. Voilà, c'est une opération intéressante qui est faite en collaboration avec le lycée Charlemagne. Et vous verrez que c'est pas compliqué d'avoir d'aider le poisson à la reproduction, surtout le black bass, parce que le canal du Midi n'est pas des zones de reproduction naturelle, donc il faut aider les poissons à se reproduire. Et avec ces casiers justement qu'on pose, ça permet au black bass de frayer et d'avoir une production naturelle dans le canal du Midi et d'éviter pour plus tard d'avoir des alevinages un peu trop nombreux, d'avoir une reproduction naturelle. Voilà, alors ça c'est des bacs, c'est des petites frayères qui sont aménagées. On va y mettre du gravier à l'intérieur. Voilà, on amène le gravier, il faut faire attention de ne pas tomber. Parce que ça pèse quand même relativement assez lourd. C'est des sacs de 35 kg, donc vous voyez. Ce sera plus facile pour le gravier. Oh, c'est tout simplement du gravier. Hein. Voilà, et là on le dépose. Voilà, et là on va le laisser glisser, qu'il aille juste au fond. On va essayer de trouver une zone qui est relativement plate. Elle est froide. Voilà, et là ils vont le lâcher, il va descendre, vous voyez, et voilà, et là il lâche et il descend au fond. Voilà, là, tout le monde en fait plus ou moins. Putain, quand je vois ces cabots, ça m'a foutu dehors, moi. Donc, quand tu seras sur un canal, c'est bien. Alors qui c'est qui peut me dire quand c'est que le poisson y fraye, surtout le black bass? Est-ce que vous le savez? Mai début juin. Voilà, donc ces frayères normalement doivent être occupées. Voilà, donc, et tout le secteur là va être balisé pour être en réserve temporaire. Voilà. Donc c'est une bonne chose pour la reproduction. Ah oui. Et puis pour les futurs pêcheurs, quoi. Parce qu'on risque d'avoir une reproduction naturelle de black bass. Ouais. Pour le moment, c'est que les alevinages et c'est ce qu'on espère, quoi. Pas mal qu'ils puissent se reproduire tout seuls. Voilà, c'est bien. Ouais. Alors voilà, ça c'est les élèves qui préparent un bac. Quand vous avez perdu votre famille. C'est le lycée Charlemagne. Voilà, qui prépare un bac. Alors le bac que vous préparez, c'est quoi en fait? Qui c'est qui pourrait? Moi je fais un bac pro viti. D'accord. Il y en a d'autres qui font des bacs généraux, il y a des bacs staff, il y a différents bacs. Voilà, tout ça c'est lié sur la nature et l'environnement un peu ou pas? Ça dépend des bacs. Ouais. Les bacs généraux, c'est en général. Les staff, ça peut être la production et l'aménagement. Oui. Des territoires. Et l'horticulture, c'est par rapport à toutes les cultures. Et viticulture, c'est tout ce qui est par rapport au vin et à la vigne. D'accord, voilà. Oui, on nettoie un peu le coin, on essaie de faire une zone qui soit relativement plate. C'est pas compliqué de faire une frayère, vous voyez. C'est le bois, en fait le bois quand il est dans l'eau, il ne pourrit pas. Est-ce que c'est un gravier spécial ça? Non. Non, c'est un gravier ordinaire de construction. Voilà, de construction, tout simplement. Voilà. Voilà, la zone est à l'abri. Elle est au milieu des roseaux.
Alors je suis avec Bernard Collin, qui est le président de la PPM de Carcassonne, qui va un peu nous résumer un peu le travail que fait aujourd'hui la fédé de l'Aude en posant ses mini-frayères. Donc dans le schéma de développement qui a été voté au niveau de la fédération, il a été décidé que le canal du Midi serait abondé en black bass. Et on s'est aperçu depuis 2 ans que quand on vidangeait le canal en amont, on trouvait des petits black bass. Et la fédération en même temps, depuis 2 ans, a mis en place ce type de frayère artificielle, ce qui revient à dire et à conclure que la pose de ces frayères nous a permis de fidéliser le black bass dans le canal du Midi. Voilà, c'est une bonne chose. Cette opération est faite en concours avec Charlemagne et je tiens à remercier l'encadrement de Charlemagne et tous les élèves de Charlemagne pour cette sensibilisation à l'environnement et à la défense du milieu aquatique. Voilà, c'est bien parce que c'est des jeunes, hein. Ça promet pour l'avenir, quoi. Et ben, on s'est aperçu sur Carcassonne, hein, que depuis 2 ans, on a une augmentation de mémoire, hein, de 30% des jeunes de plus de 12 ans au niveau des cartes de pêche. Ah, c'est très intéressant. Et justement, c'est dû au travail justement de la PMMA de Carcassonne et des collègues de la fédération qui sensibilisent dès les écoles primaires, hein, dès CM1, CM2, sensibilisent les jeunes à l'environnement et à tout ce qui a trait au milieu aquatique. Eh bien, je te remercie.